quand il est un peu fâché ou qu'il essaye de mordre. Il attendait. Oui. Ah bah voilà, ça y est, je vais mourir. Ah ouais, faut être sûr qu'il est pas venimeux quoi. Bah j'en suis presque sûr. Hein. Non, en tout cas, t'as bien planté l'écro. Hein. Ouais, non, mais c'est rien ça. Ouais. C'est rien, regarde, tu fais ça, c'est fini. C'est des dents super fines en fait. Ouais, t'as fini. Bon, on va le remettre en liberté, on va pas trop le stresser quand même. Délicatement. Je vois que t'as pas oublié comment on met un baudrier. Pour s'enfoncer encore plus loin dans la jungle, Sébastien doit changer de mode de transport. Donc le reste du trajet, ça va être principalement en tyrolienne. On va économiser peut-être 4 heures de marche. En une demi-heure, on se retrouve au milieu de la forêt primaire. Si l'accès est aussi difficile, c'est que l'enjeu est de taille. Dans le parc de Bokeo, ce qui attire les touristes du monde entier, ce sont les derniers gibbons noirs du Laos. Des singes très rares, en voie de disparition. Pour avoir une chance de les observer, un seul moyen, des maisons construites directement dans les arbres, à 40 mètres de hauteur, au-dessus de la canopée. Voici le décor de la nouvelle vie de Thomas, ancien informaticien en Auvergne. Il a démissionné il y a 6 ans pour vivre son rêve. Ce que j'ai dit à mes collègues en partant, c'est que nos ancêtres sont descendus des arbres pour éventuellement finir devant la réalité virtuelle d'un écran. Et moi, j'ai décidé de retourner dans l'arbre. De son côté, Sébastien, lui, récupère. On va voir si elle marche bien. Ouais. Pour Thomas, c'est l'heure de la douche. Ah, quel bonheur! Ah. La journée s'éteint tranquillement. Le matin suivant, c'est le chant des gibbons qui réveillera nos deux amis. Avant de retourner aux sirènes d'ambulance, Sébastien, lui, profite de la mélodie des gibbons. Ah, c'est un gibbon, gibbon, gibbon. C'est un petit jeune. Puis devant ses yeux, un spectacle unique. Il y a le petit qui est passé. Une famille de gibbons vient prendre son petit déjeuner dans le même arbre qu'une famille d'oiseaux drongo. Alors là, on voit les oiseaux qui défendent le nid. Les gibbons s'approchent du nid, donc ils sont de plus en plus nerveux et font des attaques. Et c'est la première fois que je les vois d'aussi près. Hein. Ah ouais. Ils sont à combien là? Ils sont à 30 mètres. Dans quelques heures, Sébastien descendra de son arbre pour rejoindre son équipe de secours à Vientiane. Comme Laurence ou Simon, il a choisi le Laos comme terre d'accueil pour mener son combat.